Ben voilà, on est arrivé à l'Imperial Palace. Franchement, bel hôtel, on est vraiment pas mal. On va aller faire un petit tour vers la Poker Room, le lieu où va avoir lieu le tournoi. Ici, le contrôle d'accès. C'est là qu'on donne les papiers, qu'on monte patte blanche. Le guichet pour prendre les tickets, tous les joueurs qualifiés et ceux qui paieront directement leur buy-in. Ici, ce sera le lieu où se dérouleront les pauses. Il y a un petit buffet, comme vous voyez. Et il fallait qu'on vous montre le cadre, le lac, les montagnes. Bon, là, c'est un petit peu nuageux, mais franchement, c'est splendide. On est le jour J, jeudi 16 mai, c'est le D1A. On est dans la salle, je parle pas trop fort parce qu'il y a tout le staff qui est en train de préparer le tournoi, les floors, les croupiers, les organisateurs. On n'oblige pas les mains à être ouvertes, sauf si c'est demandé, par exemple bet call. Si le mec qui a collé veut voir les cartes de celui qui a bêté, il sera obligé de les ouvrir. C'est un moment que j'aime bien, les discussions entre croupiers avant le tournoi, les dispositions des jetons. Nous, on va rejoindre les qualifiés pour voir dans quel état d'esprit ils sont. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être là. On est très contents, on reconnaît des clients fidèles et qui sont devenus presque des amis, donc on est très content de les voir ici. Ça fait combien de packages que tu gagnes comme ça? Je sais pas, je les ai pas comptés. Janvier Paris, février Bruxelles, mars Maurice, avril Cannes, et mai ici, et Vegas en juillet. Alors nous on a eu la chance de se qualifier par rapport au tournoi Florida Poker Tour, on s'est passé à Barcelone. Vous vous connaissez pas avant, vous êtes connu là-bas? Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, vous allez vous jouer un petit peu? Si vous on va éviter de sortir. Bon, s'il y a moyen de se retrouver tous les deux en table finale, c'est mieux. Vous avez un suite, voilà. Le casque, on va mettre le patch pour qu'on puisse vous identifier comme étant un joueur qualifié PMU.fr. D'accord. Nationalité, le numéro tracking number plus une signature. Faites-le le plus lisiblement possible, s'il vous plaît. Vous êtes 130 pour le moment en inscrit sur ce D1B. Table 1 pour le tirage du bouton, s'il vous plaît. Le D1B a commencé depuis maintenant un peu plus d'une heure. Il y a une trentaine de joueurs PMU en lice aujourd'hui. On va faire le tour des tables pour vous les présenter. There's going to be a very hot session this afternoon. The session is about to begin. Thank you.
115 joueurs en lice. Évidemment, l'ambiance va être un peu plus tendue aujourd'hui, puisqu'à l'issue de cette journée, on sera pas loin de l'ITM. On va voir comment ça va se passer. On va vous montrer ce qui se passe en marge du tournoi. Autour des tables, il y a tout un petit monde qui fourmille, et notamment un travail très important, celui des covereurs que vous voyez ici. Et on a décidé de suivre Pierre, qui est ici, qui est covereur pour PMU. On lui a installé une petite caméra sur le torse, et vous allez voir que c'est pas de tout repos. Juste avant de reprendre votre tournoi, nous voulons faire une petite annonce. On a un blogueur de renommée internationale qui nous vient des États-Unis et qui fête son anniversaire aujourd'hui. On souhaite un très très joyeux anniversaire, s'il vous plaît, à Peter Barnason. Vient de se terminer avec la victoire de Hicham. 5 jours de compétition et tous les à côté, c'était une vraie belle aventure. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?